¿Aló? ¿Dónde? ¿Aló? Oui, ça va. Okay. Yes. Tu as connecté? Tu as connecté le tube là? C'est connecté? Oui, ça va. C'est connecté? Oui, oui. C'est bon? Oui. Tu comprends? Allez-y. Allô? Oui, ça va. Oui, effectivement. Je disais tantôt, quand je suis venu, Yannick, est-ce que c'est on? Allez-y. Pour qu'ensemble, ça va. Qu'est-ce que tu fais tantôt? Je suis venu. Ensemble, nous partageons ce message. Ce message est la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ. Il a dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Devant un faux connaisseur, devant celui qui avait l'autorité, devant celui qu'on n'avait pas de parler. Si je suis venu rendre témoignage à la vérité, c'est le roi héros. Je dis quoi? Que tu aies une autre vérité que je ne connais pas. C'est moi qui juge les gens, c'est moi qui donne les décrets ici. Quelle est la vérité? Il a posé la question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Mon frère, si tu comprends ce message aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que la vérité? Ma soeur a tellement parlé sur la repentance. Je vais parler dans un autre domaine aujourd'hui. Je vais utiliser une parole qui est forte pour nous tous. La Bible dit dans le livre de Proverbes, tu ne peux pas marcher avec ton frère sans t'entendre avec lui. Donc pour marcher avec Jésus-Christ, il faut d'abord connaître ce que Jésus-Christ veut. Est-ce que tu t'es entendu avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as compris ce que Jésus-Christ veut? Jésus-Christ nous a envoyé, nous a donné une orientation, ce que nous devons faire dans la vie. Mais les gens sont pressés, on fournit de gauche à droite, avec la corruption, pour devenir des enseignants. Et parfois, on se retrouve, mais directement après cette formation, tu n'es plus là où il faut. Tu n'es plus là où il faut. Parce que quoi? Ce n'est pas là où tu es, tu ne plus t'attends. Et c'est là où tu es, tu ne t'attends. Tu ne connais pas la vérité. La vérité est en vie, pour la connaître, il faut naître de nouveau. Il faut donner sa vie au Seigneur Jésus. Et il faut appliquer sa parole. Les ancêtres n'est pas de la Bible. Les ancêtres, ce n'est pas de marcher avec la Bible. D'avoir la Bible dans son sac de classe. D'avoir la Bible au chevet de son lit. Mais c'est d'appliquer effectivement la vérité qui est la parole de Dieu. C'est en ça que nous avons le mot. Ne te porte pas là où tu découvres tant que tu ne connais pas la vérité. Tant que tu n'es pas né de nouveau. Tu es loin de la vérité. Même si tu es où? Dans ce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es loin de la vérité. Tu es dans le mensonge. C'est pourquoi le roi héros lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est de changer. La vérité, c'est de porter la parole de Dieu. La vérité, c'est de faire que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Pour que cette chose puisse s'accomplir. Donc en réalité, personne n'est venu accompagner l'autre. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas là où il faut. Les choses sont tellement compliquées, c'est parce que tu n'es pas là où il faut. Ne te manque pas toi-même. Parfois toi-même tu sais que là où tu es là, ce n'est pas ta place. Et je suis sûr que nombreux sont des personnes qui le sont là maintenant et qui reconnaissent qu'elles ne sont pas leur place. Oui, tu n'es pas ta place. Même si tu es aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, avant de dire, en train de chercher l'avenir demain, es-tu sûr que c'est ta place? Connais-tu pour toi, le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que c'est ta place? Est-ce que tu as le temps de te place devant les enfants pour enseigner? Est-ce que tu as le temps de l'enseignement? Tu n'as pas ce temps-là. Mon frère, tu n'es pas ta place. Peut-être que tu es sûr que tu n'es pas ta place. Cherchons la vérité. Cherchons la vérité de ta place.
À cette vérité, que quand on donne avec la bouche, même le cœur doit aller dans le même sens. Alors c'est la vérité. Alors c'est la vérité. Si la bouche et le cœur ne vont pas dans le même sens, tu es dans le mensonge, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi nombreux sont les personnes qui disent que, elles disent que, elles sont à l'église, leur vie ne change pas. C'est parce que ton cœur n'est pas vrai. Mensonge, sois à l'église. Ton cœur est accompagné de ta parole. Est-ce que tu fais accompagner de ta parole? Alors mon frère, ma soeur, il a dit clairement, si tu confesses au Seigneur Jésus, c'est écrit, de ta bouche, et si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Est-ce que tu connais de quoi tu vas être sauvé? Tu vas être sauvé de quoi? Quel est le problème que tu vis actuellement? Je te rassure, je peux te dire une chose. Aussi vrai que nous ne sommes pas ici au hasard. Si tu as un problème, tous ceux qui ont un problème nous sont là. Je ne sais pas le problème qui brûle dans ton cœur. Si tu as un problème où tu es là. Et que là où tu es là, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus en croyant de tout ton cœur. Je te rassure que tu vas voir le miracle. Tu vas voir qu'il est la vérité. Tu vas voir la solution à ton problème. Cherchez la vérité. Changez vos vies. Changez vos vies. Tu dis que c'est ta vie. Est-ce que tu as décidé de naître? Tu as décidé? Tu as décidé d'être homme? Tu as décidé d'être femme? Tu as décidé d'être un homme? Non, nous n'avons rien décidé de ça. Mais il y a quelqu'un qui a décidé toutes ces choses-là et qui a la clé de la vérité. Il t'interpelle aujourd'hui de changer, de revoir ta vie et de chercher cette vérité.